reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous, que je vous donne longue vie. Pour moi, cette vidéo, c'est une triste vidéo. Pour moi, une très grande tristesse pour une femme et ses enfants. Elle vient de perdre son mari. Son mari s'appelait Sound Sultan. Il est décédé seulement à l'âge de 44 ans. Et sa femme est inconsolable. Je suis vraiment choqué. Honnêtement, je suis très choqué. C'est difficile de trouver une bonne personne. Et quand une personne ne paraît pas, vraiment, ça laisse le choc. Apparemment, c'est une personne célèbre dans l'industrie de la musique. Voilà. Comme pour le voir vous-même. Il s'agit de cette personne. Regardez, sans Sultan. Wow. Hier, c'était Tibi de choix. Après, c'était le frère, le collègue et l'ami d'un autre Nigérien, Davido, qui est décédé. Maintenant, voici, c'est cet homme. Sa femme est inconsolable. Apparemment, c'est un musulman. Donc les gens ont décidé de faire l'enterrement rapidement. Live transmission. This is for those of you that are not able to join the Zoom. That's why I'm doing this, so we all can be part of. Il nous montre l'endroit où l'enterrement a lieu. Comme on peut le voir ici, c'est le lieu où l'enterrement est en train de se faire. On voit les gens et on voit sa femme. Regardez sa femme. Elle est carrément couchée sur son cercueil. Eh mon Dieu! Eh mon Dieu! Vous voyez sa femme? So sorry, the other session expired. Inconsolable. Elle ne veut pas quitter le cercueil. Elle ne veut pas quitter le cercueil, mon frère. Vraiment, je suis très choqué. Très choqué. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire, frère. La mort, vraiment, c'est une chose, hein. Si Dieu pourrait enlever la mort, ce serait bien. Mais regardez. C'est vraiment triste. Très triste, mes frères et sœurs. Et les gens, ne peuvent pas mettre le cercueil dans le trou, comme vous le voyez, avec l'homme à l'intérieur. Le monsieur est déjà mort, vous savez. Vraiment. C'est vraiment triste. Regardez. Regardez comment ça se passe, la vie. L'homme qui est né d'une mère là, et d'un père là, c'est lui qui va être entré comme ça après. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi à cela. Je ne sais pas quoi à cela. Je suis vraiment sur le choc. Très choqué. Comme sa famille aussi. Regardez sa femme qui est juste là au milieu là. Regardez. Elle est carrément sur le choc. Eh Seigneur mon Dieu, Quand je vois souvent la guerre, je me dis, regardez comment vous tuez les gens, laissant leur famille dans la douleur, une douleur terrible. Ses amis sont venus le supporter, consoler sa femme. Et là, ce monsieur est parti. Vraiment, c'est grave. La femme est à genoux. Elle regarde le cercueil. Et elle ne veut pas laisser son mari partir.
Elle dit, je ne veux pas que vous l'enterrez. 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 Elle dit, je ne veux pas que vous l'enterrez. Je ne veux pas que vous l'enterrez. Parfois, on aimerait que ça soit un buzz, ça soit juste un montage. On aimerait vraiment pas que ça soit une réalité. On aimerait se trouver dans un rêve souvent. Vraiment, souvent, c'est un rêve qui nous font du bien. Parce que quand on se réveille le matin, on découvre que c'est un rêve. Mais ça, c'est pas un rêve, c'est la réalité, en fait. C'est la réalité de la vie. Quel choc! C'est vraiment triste. Mes condoléances à la famille. Que Dieu donne la force à sa femme. Et aussi que à ses enfants. Vraiment, vraiment, je suis très très choqué par ces images. Je suis très très touché. La vie aujourd'hui. Où les gens ne font que mourir. Matin, midi, soir, on parle de mort. Matin, midi, soir, on parle de mort. Vraiment, je suis grave choqué. Je suis choqué. Grave, 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 grave. De ouf. Je ne sais quoi vous dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mes frères? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne sais plus quoi dire. Je suis sans mots. Heureusement que je ne suis pas sans vie. Mais je suis vraiment sans mots. Grave sans mots même. Parce que le monsieur, il est parti comme ça. Je vous dis, 44 ans seulement. 44 ans seulement. 44 ans seulement. 44 ans pour moi, ce n'est rien. C'est vraiment rien. La vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui. Sa femme. Elle est inconsolable. Sa femme. Elle est inconsolable. Sa famille. Ne sait rien. N'a rien à dire. Vraiment, quel choc, quel choc, quel choc, quel choc. Il a laissé trois enfants. J'ai que sa jolie femme, mes frères. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Les enfants sont encore petits. Pour moi, c'est triste. Hein? C'est grave, 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 triste même. Triste de ouf. Je vais vous montrer une vidéo de lui en train de chanter avec ses enfants. Apparemment, c'était un père vraiment adorable. On ne trouve pas de paix pareil de nos jours. Hein. Le bon papa. Regardez. Regardez. Quand les gens disent que souvent les bonnes personnes ne tuent pas sur la terre là. Vraiment. C'est grave. Hein. Regardez bien cette vidéo, vous serez même choqué. Fire, 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 lily. Fire, 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 lele. Hey, but we are waiting for a miracle. Fire, burning, 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 burning. We bring the oracle. Fire, burning, 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 burning. We bring the fire, cool. Fire, burning, 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 burning. We pray for miracle. Fire, burning, burning, burning. Fire, 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 fire,
pass when they call. Man, they pray for brighter day. Fire, 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 wow, siete extraordinario. Me hace el esfuerzo de ver este video. Si quieres sostenerme en su papá, yo me manqué la descripción si tuve el lien. Puedes clicar là-dessus y puedes chargar una nota donde se trouve todas las informaciones bancarias. Que Dios bendice fuerza, pone soin de vous y soy por el próximo video. C'est parti.